on a décidé de faire une petite action, c'est d'offrir une galette saucisse à toutes les personnes ayant une preuve de leur vote. Vous aussi, vous rêvez d'une galette saucisse gratuite à l'Irréductible Festival de Quimper ce week-end? C'est très simple, allez voter. Vous êtes plutôt du côté de Cherbourg et vous voulez un verre gratuit? C'est pas plus compliqué, montrez votre carte d'électeur tamponnée au bar Le QG à Cherbourg et vous aurez un verre offert par la maison. Pour lutter contre l'abstention aux législatives, les commerçants redoublent d'inventivité. Le QG a mis en place une initiative à l'occasion des élections législatives du 30 juin et du 7 juillet. En gros, c'est tu vas voter, on t'offre un verre. C'était ma petite pierre à l'édifice pour les inciter à aller voter. Et puis, ils prennent ça avec le sourire. Et si ça incite 10, 15, 20 jeunes à y aller, bah, le pari sera gagné. Et d'ailleurs, les bars ne sont pas les seuls à s'impliquer. Le secteur du tourisme et de l'hôtellerie a aussi ses propres initiatives. C'est simplement de créditer 15% de remise sur l'hébergement pour tout client qui, pour la nuit des samedis soirs précédant le premier et le deuxième tour des élections législatives, nous présentera une procuration validée. Là, l'idée, simplement, c'était de faire quelque chose d'assez sympa et de montrer à nos visiteurs qu'ils peuvent et aller voter et passer des bonnes vacances. Et l'initiative ne se limite d'ailleurs pas au secteur de l'hôtellerie-restauration. Je suis le président de l'Irréductible Festival à Quimper, qui aura lieu les 28, 29 et 30 juin. Et à l'occasion des législatives anticipées le dimanche 30 juin, on a décidé de faire une petite action. C'est d'offrir une galette saucisse à toutes les personnes ayant une preuve de leur vote, une carte électorale, une preuve de procuration ou même un selfie devant l'urne. Ça sera un grand plaisir de vous offrir cette galette saucisse. Pas de voiture à 10, pas envie de payer les transports en commun? Eh bien, vous ne pouvez même plus utiliser cette excuse puisque la région Occitanie a trouvé la solution. Elle vous offre les transports en commun, train et bus, le 30 juin et le 7 juillet, si vous montrez votre carte d'électeur.